Alors, il était une fois Thierry Galli, qui est là. Bonjour Thierry. Et bonjour. Venu avec l'une de ses amies, Marion Gamme. Oui, et interprète. Et interprète. Amie. Quand même. Interprète. Ouais. Donc, pas amie tout à l'heure. Si, quand même. Si. Ah, bah, moi, je l'adore. Ah oui, vraiment. On se fait un gros bisou à l'antenne. Allez-y. Allez, chiche. On va dire que c'est un premier cadeau de Noël avant l'heure, puisque vous venez aussi avec un CD qui s'appelle « Il était une fois Noël ». Et vous n'êtes pas seul, Thierry, puisque vous venez avec l'une des amies. Il y a beaucoup d'amis. Ah oui, nous sommes 17 au total. 17. Alors, on va en parler dans un instant, mais j'ai envie de savoir pour vous, qu'est-ce que ça représente la période de Noël? Pour Marion, pour moi? Pour vous deux. Marion. Le rêve, la fête. Et en même temps, le souci de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, eux, ne le fêtent pas d'une manière agréable, voilà, qui sont un peu démunis ce soir-là. Donc il faut penser à eux, quoi, voilà, de toutes les façons qu'on puisse. Vous les dire... aider, les aimer, leur faire des cadeaux. Dans son entourage, dans ses voisinages, il faut bien regarder le soir de Noël. Est-ce que vous vous souvenez des premiers contes de Noël que vous avez entendus ou lus? Comme ça, brûle pour point, non, pas spécialement. Les contes d'enfants, mais pas forcément Noël, la petite fille aux allumettes, des choses comme ça. Et puis les voix qui ont marqué, comme Gérard Philippe. Ah bah voilà, bien sûr, Gérard Philippe qui a été un grand interprète. Alors vous, Noël, c'est quasiment tous les jours depuis quelques années. Oui, c'est pas faux. Mais moi, Noël, cette année, particulièrement, c'est toute l'année. Parce que cet album, s'il sort aujourd'hui, c'est toute une année de travail. Mais Noël, c'est plein de belles choses pour moi. Ce sont mes souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, partager ça avec tous les enfants qui vont pouvoir écouter ce disque qu'on a réussi à créer avec tous ces magnifiques artistes qui m'ont suivi dans cette aventure, je vis un rêve d'enfant. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, dans ce conte musical, hein, donc c'est un CD, il y a 36 petites histoires, beaucoup d'amis, donc divers et variés. Hein, Marion Gamme pour le monde de la comédie, il y a Laurie, il y a aussi Sébastien Chabal. Oui, quelle est l'histoire déjà? C'est la première fois qu'un sportif de haut niveau participe à un disque pour enfants. Et Pierre Belmar qui joue le rôle du Père Noël, quand même. Et les enfants. Et les enfants. Bien entendu. Quelle est l'histoire de ce conte? Oh, le pitch est très simple. Le petit raid au nez rouge est perdu en pleine forêt. La fée Laurie apparaît. Je suis en train de décorer ma maison, le sapin. Elle apparaît. C'est une catastrophe. Elle me dit Thierry, viens, suis-moi. Le petit raid au nez rouge est perdu en pleine forêt, non loin d'ici. Et il doit rejoindre absolument, impérativement, très, très vite le pays du Père Noël. Car s'il ne rejoint pas le Père Noël à temps, les cadeaux ne seront pas livrés. Il n'y aura pas de Noël. Pas de cadeaux, pas de Noël. On est bien d'accord. Donc voilà. Et donc, on part retrouver d'un coup de baguette magique le petit renne au nez rouge dans cette forêt-là. La sorcière des glaces lui ajoute un mauvais sort. On prend le chariot des étoiles et on part très très vite en direction du pays du Père Noël. Et dans ce voyage, on croise plein de nouveaux amis qui certains nous donnent des indices. On croise cette sorcière aussi qui essaie de nous ralentir. Et cette fameuse extraordinaire fêlée. La fêlée. La fêlée, la vraie, la seule, l'unique, elle est là. Et pourquoi la fêlée, tout de suite, Marion Gamme, c'était évident? Ah ben non, mais je veux dire, au départ, c'était pas Marion Gamme, la fêlée. J'avais pensé à une autre artiste qui avait déjà participé à un autre de mes projets et les agendas ne se croisaient pas. Et c'était une évidence, je me suis dit, ah, si c'est pas elle, mais alors c'est Marion Gamme obligatoirement et j'avais pas ses coordonnées. Le hasard de la vie, comme quoi la vie fait bien les choses quelquefois. Et voilà, j'ai réussi à avoir le numéro de Marion. Je l'ai appelée, elle n'a rien compris. Sur le coup, elle me demandait de chanter. Mais voilà. Ça, moi qui suis quand même une professionnelle, j'aime pas faire les choses d'une manière... j'aime pas à peu près l'amateurisme. J'ai horreur de ça. Et donc, j'ai dit, mais non, mes chers messieurs. Mais non, c'est pas du tout pour ça. J'ai besoin de votre fantaisie, de votre bonne humeur, etc. C'est un personnage rigolo, cocasse. C'est pour faire la fée qui s'appelle... La fêlée. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai dit, oui, d'accord. Alors là. J'ai du mal à le dire d'ailleurs. Je me dis, oh, je ne la connais pas. En rôle, ça, mais comment s'appelle mon personnage? La fêlée. Je me dis, oh, non, elle pas. Oh, il suffit qu'elle le prenne mal. Alors là, c'est foutu. C'est plus facile à dire que devant Sébastien Chabal. Voilà. Ah bah lui, c'est. Oui, c'est vrai. Au téléphone, ça passe. Sébastien, vous allez faire une fée complètement. Boum, boum, boum. Voilà. C'est parti direct. On va entendre un petit extrait, justement. C'est vrai qu'il y a de la musique, il y a des histoires, des petites pauses sans musique. On va écouter, justement, un extrait où on entend la fêlée. Ah bon? Regardez là-bas. C'est un bonhomme de neige qui nous fait signe. Mais depuis quand les bonhommes de neige sont vivants? Bah, depuis toujours. Faut sortir un peu, là, hein?
Ah lui, je le connais bien plus, c'est Doudou, le bonhomme de neige. Désolé, Félé. Mais moi non plus, je ne savais pas que les bonhommes de neige pouvaient s'animer de la sorte. Oh Thierry, c'est pas si fréquent, je dois l'avouer. Mais j'ai la chance de vivre dans des régions froides où je ne fonds pas comme les autres bonhommes de neige. Est-ce à l'arrivée c'est la première de fois que vous jouez un rôle dans un conte musical, finalement? Dans un conte musical, oui. Pas faire des voix, parce que ça, évidemment, ça a été mon métier pendant des années. J'ai fait beaucoup de doublages, beaucoup de voix dans plein d'univers, dans des dessins animés, bien sûr, mais pas en chantant. Mais effectivement, à coup sûr, j'ai fait des contes de Noël, probablement, mais avec des voix, quoi, tout pareil, ouais. Alors, magie d'Internet, il y a un making-of hein, qui est disponible. On va voir un extrait, justement, parce que je pense que vous êtes tous très ennuyés à un moment de l'enregistrement du CD. On va voir un petit extrait, justement, entre Marion et vous. Here I am too. Bonjour Marion. Bonjour. Et néanmoins extraordinaire. Oh, j'ai plus de voix. Je sais, mais je suis polyglotte, brillante et modeste avec ça. Faut le faire quand même. La la la, madame. Suivant mes calculs. Je suis une pauvre femme qu'elle n'arrive pas à dénouflage, nettoyer. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et que tout le monde soit heureux et rigole. Il faut rigoler. Finalement, quel est le recul sur cette expérience que vous avez vécue? C'était merveilleux parce que c'était une vraie émotion. C'est quand on ne maîtrise pas complètement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on y va avec, non pas avec appréhension, mais on y va avec le cœur qui bat. Et donc j'avais l'impression de débuter auprès de Thierry qui me dirigeait. C'est magnifique. Alors, non, mais c'est génial. Parce que moi qui ai été dirigée par beaucoup de metteurs en scène de toutes sortes, tout d'un coup, vous un jeune garçon. Faire un livre pour en parler, tiens. Oui. Et puis, un jeune garçon qui vous dirige, on a 5 ans et demi dans sa tête. Mais c'est génial parce que. Non, c'est amusé surtout. On repart sur de. On est tout neuf, quoi, et on y va. Alors, avant de parler du guet, j'ai une dernière question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, il y a les jeux vidéo, il y a les tablettes, il y a différentes choses. Quel rôle joue, est-ce que le conte CD, conte musical, sur CD, où maintenant on peut les télécharger, ça joue un rôle encore important? Ah oui, et oui. Puis ça reste un cadeau. C'est-à-dire qu'un disque reste un cadeau encore, pour les enfants en tout cas. On sait que c'est téléchargé énormément. Mais c'est typiquement le type de public, il y a le public plus âgé qui achète encore des CD parce qu'il a envie d'avoir le disque 2 avec les photos, etc. Et les enfants également. La mamie, la grand-mère, la maman a envie d'acheter un disque. Alors, en plus, ça, c'est un double album, donc il y a un joli petit livret, il y a quelque chose qui se déplie, qui est joli. Oui, c'est un bel objet qu'on offre à Noël et ça reste au pied du sapin, ça reste un joli cadeau. Je pense que le Père Noël, en tout cas, ne s'y trompe pas. Vous verrez. Alors, Marion, vous jouez le rôle de la fêlée dans ce conte. C'est plutôt une sorcière, hein, quand même, Huguette, hein, que vous interprétez depuis. Ah oui, c'est autre chose. Huguette, c'est plutôt, elle est moins joviale et moins. Elle l'est, mais à sa façon, quoi. Pas dans son univers. On va avoir un extrait. On rappelle tout simplement que depuis à peu près 5 ans, sur M6, tous les soirs, il y a Scène de ménage. Mm-hmm. Et vous jouez la femme de Raymond, interprétée par Gérard Hernandez, un monstre aussi. Hein. Double titre. On va avoir un extrait. Ah. On a reçu une pub pour une croisière spéciale célibataire. Ah, c'est con. Ça m'aurait bien plu, tu vois. Mais je vois pas où est le problème. Est-ce que j'ai la tronche enjouée d'un célibataire? Ah non, ça on peut pas dire, non. On peut pas dire. Mais écoute-moi. Tu t'inscris seul. Moi, je m'inscris sous mon nom de jeune fille. On se parle pas, on fait comme si on se connaissait pas. Et à nous la belle croisière. Oh, que c'est pas con. c'est pas con. Ah non, il y a un problème. Quoi? Quoi? Je risque de te séduire à nouveau. Quoi? Oh! Bonjour, mademoiselle. Vous n'avez rien contre les jeunes? Petit bouchon? T'as de beaux. Non, c'est trop dangereux. Alors, déjà. C'est drôle, pardon, parce que j'entends la musique de La Croisière s'amuse. Et Gérard Hernandez était dedans, je parle vocalement, et moi aussi. Donc, voilà. Pour vous dire simplement que Gérard et moi, qui n'avons jamais tourné ensemble avant Scène de ménage, on a énormément travaillé ensemble. Mais dans le doublage, voilà.
séries. Etc. Alors justement, quelle différence il y a entre tourner un film et justement des petits sketchs? Est-ce que vous prenez plus de plaisir dans un film ou... Non, là, c'est un exercice de style terriblement difficile parce que techniquement, on est, comment dirais-je, c'est pas riche techniquement. C'est-à-dire qu'il y a une seule caméra, comme là, vous voyez, il y a une caméra fixe, donc il n'y a pas d'air, ni à gauche, ni à droite. On peut avoir un peu de profondeur et c'est tout. Donc, ça se tourne en continuité. Et qui dit en continuité, dit qu'il faut maîtriser, voilà. On ne tourne pas plan par plan, puis après avec un montage, le secours de plusieurs caméras, etc. C'est du direct. On est en direct live, là. Le grand public vous a découvert, grâce à Huguette, depuis quelques années. Il y a quelques semaines, un livre est sorti qui retrace votre carrière. C'est comment votre nom, déjà? Tout d'abord, que raconte votre livre? Il raconte mon parcours. C'est-à-dire un parcours quand même, étant donné mon âge, qui a quand même, il y a du matériel, on va dire. Et donc je pars de mon enfance au Maroc, de mon arrivée en France, les difficultés que ça représente, on connaît personne, etc., etc. Et puis bon, petit à petit, on pousse la porte du cours Simon et là la vie commence. Voilà, avec, malgré tous les déboires avant, les difficultés de la vie, enfin on a la respiration de la vie, enfin on a trouvé sa voie, parce que le père Simon vous prend moralement dans ses bras et vous dit « t'es du bâtiment, tu vas faire ce métier ». Il m'a reconnu, vous voyez, sans me connaître, mais il m'a mise au monde, je peux dire. Et à partir de là, la vie avec les hauts, les bas, les rencontres sentimentales, dont Jacques Martin, tout le monde sait que j'ai été sa compagne pendant 4 ans, etc., etc. Puis les rencontres professionnelles avec les plus grands au départ. J'ai quand même travaillé, curieusement, avec les plus grands acteurs du moment. Je travaillais avec Pierre Brasseur, avec Paul Meurice, avec Michel Serrault, avec... voilà, Bernard Blier. Et du coup, il reste quelques secondes, hein, ça va se terminer, pardon. Thierry. Donc voilà. Et c'est donc tout le parcours et la célébrité, enfin, sur un rôle. Donc ça peut arriver n'importe mieux quand. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est mérité. Mais voilà. C'est mérité. Ben voilà, c'est déjà terminé. Malheureusement, ça va trop vite, parce que c'est vrai que des comédiens comme vous, on pourrait passer des heures et des heures. C'est passionnant. Noël approche, on a deux idées cadeaux. Un CD de Thierry et ses amis. Hein, une belle histoire. Thierry Gallet et ses amis étaient une fois Noël et Marion Gamme, surtout le livre. Voilà, voilà, comme ça, ça permet de prolonger ce bon moment. Ben, tout simplement, joyeux Noël à tous les deux. Et également merci, à vous aussi. Aussi. Et à cette charmante jeune fille. C'est Virginie. Salut Virginie. À bientôt. Bon Noël. Bonne fête.